Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Stranded Deep avec notre chère Marie-Madeleine. Eh ouais, elle est là, dans son petit radeau jaune que j'ai ramené, souvenez-vous, parce qu'il était resté sur l'île au rocher. Donc j'en ai chié, ce fut un long périple, mais j'ai réussi à le ramener et j'ai bien sûr fait ça hors caméra. Je vais la... Bah attendez, pour l'instant Marie-Madeleine, voilà, elle faisait un petit coucou, regardez ça, elle est en pleine forme, hop là, un petit vol plané dès le matin, impeccable mon vieux. Elle est là. Alors j'ai fait quelques trucs hors caméra, donc il n'y a pas spécialement grand chose qu'à changer hors caméra. Je me suis surtout bien équipé. Donc déjà ici, bah qu'est-ce qui se passe maintenant à côté de la base? Tous les seaux que vous voyez ici qui sont remplis, eh bien c'est de l'eau purifiée. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs j'ai encore deux seaux d'eau purifiée à prendre. On va aller les poser à côté de leurs copains, bien tranquillement. Non! Ah bah celui-là, voilà, voilà, c'est déjà fait, ça y est, j'ai fait la connerie. J'ai déjà fait la connerie tout à l'heure en plus. Ah, je suis obligé de relancer un truc de purifier là, c'est parti là. Je vais voir pourquoi que ma montre a bip. Qu'est-ce qu'elle a bipé? Ah ouais, je suis malade, c'est vrai, je m'étais fait piquer par un poisson aussi. Mais bon, tranquille, ça c'est pas très très grave, parce que normalement j'ai des antibiotiques. Voilà, fais péter un petit antibiotique. Hop, je devrais plus être malade. Eh bah, impeccable mon vieux, tu vois, ça va mieux. Alors, écoutez, on va boire un coup, tranquillement. Voilà, vas-y, fais péter le seau. J'ai fait une petite réserve de bois à côté du feu, tranquille. Ça, c'est histoire de raviver le feu. Donc, vraiment, merci à tous pour les likes, les commentaires, les partages. Je vois que la série vous plaît, donc ça fait vraiment super plaisir. Moi, le jeu, je passe de bons moments dessus, donc c'est impeccable. Franchement, nickel. Et on n'a pas encore tout découvert du jeu, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça, c'est cool. Les deux récupérateurs d'eau de compète sont mis en place. Ça, ça va faire de l'eau toute la journée, tranquille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Bon, bah, j'ai récupéré 2-3 bâches en plus. J'ai récupéré pas mal de tôles en plus, donc j'ai récupéré quelques planches, quelques bouts de ferraille, quelques cailloux. J'ai récupéré beaucoup de bois, comme vous pouvez le voir, énormément de bois. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a surtout bien usé ma hache. Bon, ça va qu'il me reste encore des machettes, donc ça c'est plutôt cool. Déjà, on va prendre l'arc, tranquillement, voilà. On irait bien partir à la chasse, tranquillement, histoire de se faire un petit truc à grailler, tu vois. Mais j'ai pas spécialement envie de faire cuire Marie-Madeleine. J'ai envie de trouver un truc à bouffer, mais faut que je trouve quoi. À moins que, attendez, tranquillement, on va partir à la pêche. Ouais, ouais, un petit peu de pêche, ça mange pas de pain, tranquillement. Alors surtout que depuis le début du jeu, j'ai pas encore tué un requin. Mais ça ne devrait tarder. Aussi, vous avez été pas mal à me dire dans les commentaires que je pouvais agrandir mon radeau avec d'autres pneus. Donc c'est ce qu'on va faire en allant sur l'île au rocher. Parce que si vous vous souvenez bien, bah j'ai laissé pas mal de pneus là-bas. Donc ça, ça va être plutôt cool. Tiens, viens ici toi saloperie. Viens là. Voilà. Regardez ça, il se fait la malle, tranquille. Allez hop, ça je prends. On va se faire 2-3 sardines. Voilà, ça viens ici. Viens ici. Hop. Allez. Écoutez, je pense que au niveau de tout ce qui est sardines, ce sera franchement pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bip ma montre? Bah ouais, je sais, ça bip. J'ai faim, j'ai faim. Tranquille, on va se faire un petit gueuleton. Ça va être bien sympatoche. Ce qu'on va faire tranquillement, c'est que je me crafterai bien un truc comme ça, tu vois. Un petit barbecue là. Qu'est-ce qui me manque? De la lashing. Regarde, j'ai tout ce qu'il faut, mon vieux, sur l'île. Alors, voilà. Je pense que le petit barbecue, on va le mettre bien tranquillement ici. Voilà, tranquillement. Et je vais faire un bon petit barbecue. Comment qu'on va se mettre bien là? Oh là là. Oh, regardez ça. Merde, ça marche pas comme ça. I can build there something in the way. What? Il me faut des pierres. Vas-y, donne-moi 2-3 pierres là. Vas-y, ça, ok. Donc normalement maintenant, je devrais pouvoir le crafter. Impeccable. Eh bah nickel en plus. Il est pile poil dans le sens que je voulais. C'est impeccable. Alors attends, est-ce que ça marche comme ça? Ou ça marche pas comme ça? Non? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien un barbecue que j'ai fait là. Voilà, on va mettre 2-3 sardines à cuire tranquillement. Bah, j'espère que c'est ça que j'ai fait. Voilà, je pense que ça devrait cuire, non? Attends, c'est bien à ça que ça sert. Smoker. A smoker can be used to smoke and preserve meat to preserve spoiling. Ah non, ça sert pas du tout à ça. D'accord, j'ai pas du tout fait un barbecue. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pour, c'est un fumoir. C'est pour préserver ben, la bouffe, pour éviter que ça moisisse, en fait. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va mettre une sardine comme ça. Vas-y. Fais péter la sardine. Mais normalement ça devrait pas spoiler si je les laisse là, tranquillement. Attends, est-ce que je peux en mettre une deuxième au feu? Voilà, impeccable. Alors là je vous le dis, c'est le moment. Je m'en fais une. La prochaine ce sera pas un petit frère ou une petite soeur pour Marie-Madeleine. Ce sera dans la gamelle mon vieux. Regardez, regardez, regardez. Regardez, il y en a une qui a atterri là. Deux.
Oh putain. Oh putain, je suis chaud, mon vieux. Oh putain, je suis chaud, j'en ai eu deux. Donne-moi mes flèches. Oh putain, j'en ai eu deux, mon vieux. Ouh. Oh, comment je suis chaud, là. C'est bon, ça. Yes. Voilà. Regarde, Marie-Madeleine. Regarde, j'ai une surprise pour toi. Marie-Madeleine. Ah bah elle est là. Regarde. Regarde la surprise. Regarde un petit peu. Hein? Alors, ils sont pas magnifiques ceux-là? T'as vu? Hein? Alors, non, non, ceux-là, on va les faire cuire. Tranquille. Ouais, ouais, bah attends, j'ai faim moi aussi. Hein. Alors. Eh ouais. Ceux-là, on va les faire cuire tranquillement. Ils sont où mes sardines? Je crois qu'ils ont grillé mes sardines. Ah non, ils sont là. C'est cuit ou pas? Machin, non, c'est pas cuit du tout. C'est pas cuit du tout. Non. Ce délire, mon vieux, elle est encore vivante la machine. Elle se fait la malle. Vas-y. Voilà, ça cuit. Impeccable. Regardez ça, celle-là. Elle est encore vivante, mon vieux. Elle s'est barrée. On va la mettre là dans le fumoir. Hein? Voilà. Voilà. Celle-là, on va la mettre là. Voilà. On va ranger là. Ce sera le garde-manger ici, tu vois. Voilà. Bah, viens ici, mon vieux. Alors. Bon, bah, on va attendre tranquillement que ça cuit. Je vais aller chercher de la bouffe en attendant, voir s'il n'y a pas des fruits. Regardez, regardez ça. Il y a encore des mouettes là. Regardez ça. Il y en a encore partout là. Hein? Regardez les voir. Regardez ça, comment que ça se pousse là-bas. Tiens! Prends ça, mon vieux. Ah, bah, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux m'appeler Robin des Bois. T'inquiète. Alors. Oh, ouais. J'ai la technique maintenant. J'ai la sainte technique. Regarde là, celle-là. Saloperie. Merde. Tiens! Elle est où ma flèche là? Regarde ça, mon vieux. Je vais faire un élevage de mouettes. Ça va être un truc de malade. Je vais avoir des mouettes partout, mon vieux. Alors, elle est cuite ma sardine? Ou comment ça se passe? Oh bah oui, elle est cuite. Elle est bien cuite même. Viens ici, toi. Tu vas passer à la casserole, mon vieux. Tu vas être la première. Allez, vas-y. Oh bah. Ah bah ce sera une sardine, c'est pas grave. Non mais non. Moi je veux de la mouette aussi. Voilà, tranquillement. Des fruits. Vas-y, fais péter. Je vais manger 2-3 noix de coco tranquillement. Impeccable. Alors j'en suis où? Eh ben impeccable, tout est à fond. C'est nickel. La mouette et la sardine, ça cuit tranquillement. Ça c'est impeccable. Ouh, c'est cuit. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Putain mon vieux, ça sonne comme un micro-ondes. Ça sonne comme un four. C'est lequel qui est cuit? Ça doit être la sardine, je pense. Voilà. Donne-moi ça. Ça. Voilà. Bah, je l'ai mangé, mais ça sert à rien. Par contre, la mouette. Elle cuit pas. Pourquoi elle cuit pas? Vas-y, cuit un petit peu là. Non? Bon, bah, du coup, on s'est mis à fond au niveau de la faim, de la soif, la fatigue. C'est bon, c'est impeccable. Putain, du coup, c'est pas un barbecue? C'est quoi ça? D'accord. Ça, c'est pour cuisiner pas mal d'items. Il nous faut un baril. Ok, d'accord. Bon, bah, ça va se trouver, ça, tranquillement. Bon, on va poser un petit peu de bois ici, tranquillement. Ça, ok. Putain, mon vieux, j'en ai de la mouette, hein. Eh ben. Tiens, on va la mettre là. Elles sont encore vivantes, mon vieux. Elles s'envolent. Viens ici, on va la mettre là-dedans. Ça, c'est cool. Moi qui n'arrivais pas à choper une mouette, mon vieux. Bah, regarde, j'en ai au moins 50 là-dedans. Je suis en train de faire un élevage. Il n'y avait plus de place. Voilà, regarde. Impeccable. Nickel. Ok, ça, c'est bon. C'est plein. On va le mettre là-bas, tranquillement. Regardez ça, il y a de l'organisation là. C'est un truc de fou, hein. Oh, c'est quoi ça? Tiens, il y a eu une espèce de. Je sais pas quoi là. Elle est cuite la mouette? Non? Je vais essayer de la manger. Ah, ça marche pas. On va la remettre avec ses copines. Impeccable. Ça marche pas. Ça, on va laisser allumer tranquillement. Je vais refaire un peu de bois, après on part en expédition. Bon, écoutez, on va s'équiper pour aller agrandir un peu le radeau. Tranquillement. On va prendre de la lashing, parce que ça, il va nous en falloir. L'arc, on va le laisser ici, tranquillement. Les flèches, on va les laisser ici. La lance, on la laisse. Allez, vas-y, let's go. D'abord, on va dormir. Allez, on se réveillera demain matin. Ah, bah voilà. Impeccable. Regarde ça. L'eau est prête, nickel. Le soleil brille. Marie-Madeleine, ça va, tranquille? Ah, tranquille. Elle a dormi à côté de son radeau jaune. Ouh, putain, j'ai failli le faire tomber, celui-là. Bon, ouais, bah c'est parti. Marie-Madeleine, let's go. En voiture, ou plutôt en radeau. On est parti pour aller... tiens, donc, un petit vol plané dès le matin, là. Ça y fait plaisir, ça. On est parti pour aller...
sur l'île du Rocher qui se trouve quelque part là-bas normalement. Hop, ça c'est bon. En voiture, c'est parti. Allez. Voilà, nickel. Hop, accroche-toi. On est parti sur l'île du Rocher, let's go. Allez, regarde ça, on est arrivé impeccable. On va aller direct au pneu. Voilà, impeccable, nickel. Ça c'est bon, Marie-Madeleine reste sur le radeau. Ça, vas-y. Apparemment, on peut agrandir maintenant. Comment qu'on va faire? Une base en pneu, voilà. Craft. Ok. Attendez, il n'y a pas un pneu qui a volé là? Oh putain! Aussi, il a volé mon vieux. Ah bah ouais, regardez ça. Regardez ça, comment qu'on peut l'agrandir. Putain, attendez, par contre, il y a un pneu qui a volé là-bas. Je l'ai vu partir à des kilomètres. Écoutez, c'est pas grave. On fera avec les moyens du bord. Tranquillement. Déjà, il est bien agrandi là. Hein. Quand même, hein. Regardez, du coup, Marie-Madeleine, tu vois, elle a sa partie, mon vieux. Voilà, elle va être bien là-dessus. Regardez ça, comment qu'elle est bien là. Elle a carrément un radeau pour elle, limite. Ce qu'on va faire, attendez, c'est que on va se diriger vers le sud. On part à l'aventure aujourd'hui. Ouais, vas-y. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va. Marie-Madeleine, ouais, elle va être bien là. Là, elle va être bien, t'inquiète. Allez, c'est parti. Let's go à l'aventure, mon vieux. On va partir sur l'île juste en face là-bas. Je crois qu'on n'a jamais été aussi loin que ça. Hein. Oh, regardez ça. Regardez ça là-bas. Regardez. Regardez, mon vieux, on va aller la voir. Une baleine, mon vieux. Une baleine bleue, c'est un truc de malade. Regardez. Elle est là-bas. C'est délire. Attendez, on va aller voir sur l'île après. On va d'abord aller titiller de la baleine. On va aller nager un petit peu avec elle tranquillement, tu vois. Regardez ça. Regardez ça, comment qu'elle est énorme, mon vieux. Sa queue, elle dépasse de l'eau là-bas, là. Attendez, je sais pas si je vais arriver à la rattraper. Hein. Regardez comment qu'elle est énorme comme une baleine, mon vieux. C'est délire. Regardez là. Regardez la sainte baleine, mon vieux. Regardez ça. Regarde ça, Marie-Madeleine. Bah. Prends ça, mon vieux. Voilà. Regardez ça. Elle est énorme. Excellent. Rencontre du troisième type. Tu vois ce que je veux dire? Pareil. Oh là là, comment qu'elle est énorme. Attendez, il est où mon radeau? Il est là-bas. Elle est énorme, hein. Bon, allez, je retourne sur le radeau. A plus tard. Bonne route. Oh là là, regardez ça, comment que c'est énorme. Trop bien fait. C'est quoi cette île là-bas? On va aller voir, tranquille. Donc ça a l'air énorme ici. Ça a l'air trop bien. Regarde ça, Marie-Madeleine, mon vieux. Regarde ça. Oh là là, comment que c'est bien fait ici. C'est excellent. Attends, je ramène le radeau. C'est délire. Écoutez, on va faire le tour tranquille. Attends, j'ai envie de commencer par le bateau direct. Hein. On va pas tourner autour du pot. Je vais voir direct un coffre. Yes! Une lampe torche. Ça, c'est cool. On va aller voir en bas. Il y a quoi? Un carburateur. Très bien. On se casse de là. Par contre, j'ai vu un truc sur le bateau. J'ai vu un truc. J'ai vu ça. Donc ça, c'est pas mal. Tu vois? Regarde, on pourrait peut-être agrandir le bateau avec ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, ça va éclater dans tous les sens, j'y sens. Vas-y, hop, viens là, viens là. Ça, hop, ça, viens là. De la ferraille, ouais, vite fait. Donne-moi ça. Voilà, impeccable. Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir le radeau avec ça? Là, sincèrement, j'expérimente, hein. Voilà, est-ce qu'on peut... Bien sûr! Bien sûr que ça marche. Regarde ça, mon vieux, comment que c'est excellent. Par contre, niveau de la soif, c'est chaud, hein. Je crois qu'on va bouger d'île. Ah, vos gueules, les mouettes, mon vieux. Voilà. C'est pas vrai, ça. On va bouger d'île. Ouais, ouais. J'ai récupéré pas mal de trucs, c'est cool. Ok, nickel. On est reparti, en route. Ça va être le Titanic, le machin, au bout d'un moment. Bah désolé, Marie-Madeleine, attendez, je vais la ranger dans mon inventaire. On va se diriger toujours vers le sud. En route vers de nouveaux horizons, c'est parti. Regardez ça, ce délire. Ça fait au moins 15 ans que je rame, mon vieux. J'ai passé toute la nuit sur la mer. Un truc de malade. Je sais même plus où je suis. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai ramé, ramé, ramé. J'ai ramé tout ce que j'ai pu, mon vieux. Et là, il y a un truc qui m'a attiré l'œil. Regardez ça. Regardez ça. On va y aller. Déjà, là, il y a des petites bulles qui m'ont attiré l'œil. Mais c'est pas ça que j'ai vu en premier. C'est ce machin-là, là-bas. Là. On va aller voir ça. Tranquillement, gentiment. Je vous assure, ça fait au moins 15 ans que je suis en train de ramer, mon vieux. C'est un truc de malade. Attends, je vais faire venir ça là. C'est quoi ce machin, mon vieux? Hein? Alors, une porte. Tranquillement, derrière. Derrière, y'a rien. Bon, bah vas-y, fais péter. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon vieux. Ah!
Ah bah d'accord. Ouais. Ouais bah c'est bien. C'est pas mal. Ah ouais. C'est en fait c'est un conteneur vide. Donc tranquille. Mais ça se trouve il n'y a pas que ça sur cette île. Attends Déjà mon radeau je vais l'amener par ici. Je vous assure je sais même plus où est-ce qu'on habite nous. Je sais même plus où est-ce qu'elle est notre île principale. Attends, de toute façon c'est forcément vers le nord hein. J'ai fait que de ramer vers le sud. Donc c'est forcément vers le nord. Ça là-dessus, y a aucun doute. Regardez ça, y a des épaves là-bas. On va aller voir ça. Ah, mais là c'est qu'il y a de l'épave là ici là. Déjà ça, je vais prendre ça. On va agrandir encore un peu le radeau. On laisse tomber, ça va être un paquebot le machin. Pire, ça va être un truc de malade. On va aller voir sur celui-là là-bas. Sur celui-là, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants là. Ouais, ouais. J'ai le nez, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Attendez, regarde ça. Un coffre. Super, il est vide. Excellent. Un coffre vide. Attendez, il y a une armoire là. Une lampe torche, c'est quoi ça? Un couteau, je prends. Ouais, ok. Pourquoi ça bip? Ah ouais, ça bip parce que... Merde, ah ouais, je me suis fait piquer tout à l'heure. Merde, merde, merde. Je suis encore malade. Putain, il y a un truc en haut là, j'aimerais bien y aller. Ah bah voilà, regardez, il y a des escaliers. On va pouvoir monter. Vas-y, fais péter là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Putain, puis ça va commencer à faire nuit en plus. Tiens, regarde ça, la cabine du capitaine, mon vieux. Alors! Une machette. Ouais. Bah, c'est souvent les mêmes trucs qu'on retrouve au final, hein. Un engine, mais pas d'hélice. Non, non, non. Toujours pas l'hélice. Putain, c'est con, ça. Écoutez, je crois que je vais trouver un petit lit à crafter, là. Et puis, on va passer la nuit là, tranquille, avec Marie-Madeleine. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que là, pour rentrer, ça va être chaud. Hein. Tiens, on va faire un petit feu de camp, tranquillement. Vas-y, fais péter le feu de camp. Voilà, impeccable. Alors, bon, bah finalement, on aura trouvé un beau conteneur bien vide. Bon, et bien sûr, on va se quitter sur cette douce fumée qui émane de ce feu de camp. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye!